avez demandé la police. Ne quittez pas. Ici le commissariat de police, je vous écoute. Allô, oui, bonjour, monsieur l'agent. Oui, donc je suis rentré chez moi et un ovni, une soucoupe volante, m'a poursuivi jusqu'à chez moi. Est-ce que vous pouvez venir à mon secours, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, je suis poursuivi par une soucoupe volante. Ah, bon. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Une soucoupe volante est en train de vous poursuivre, c'est bien ça? Oui, oui, monsieur l'agent, une soucoupe volante. D'accord. Écoutez, monsieur, déjà, je vais prendre votre identité. Comment vous vous appelez, monsieur, votre nom? Alors, je m'appelle monsieur Schwembaka. Et votre adresse? Alors, j'habite aux deux rues Youri Gagarine. Ah, Youri Gagarine, comme le cosmonaute soviétique, c'est ça? Oui, oui, monsieur l'agent, comme le cosmonaute. Et dans quelle ville? Alors, j'habite à Duny, dans le 93. D'accord. Bon, si je comprends bien, une soucoupe volante vous poursuit, c'est ça, monsieur? Oui, oui, absolument. Et je vais vous poser une question, vous allez me répondre par oui ou par non. Est-ce bien compris? Oui, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous avez fumé ce matin? Monsieur, moi je ne fume pas. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Vous avez rien fumé? Des choses un peu bizarres? Non, pas du tout, je fume pas du tout, monsieur l'agent. Bon. La soucoupe que vous avez vue, de quelle couleur était-elle? Elle était grise, grise foncée. Ah, grise, d'accord. C'est symptomatique aux acides, ça, vous savez? Des choses volantes grises dans le ciel, c'est en général, c'est des prises d'acide. C'est interdit, monsieur, ça. Monsieur, je vous appelle parce que une soucoupe me poursuit. Et je vous demande votre aide, monsieur la police. Monsieur de la police, pardon. Oui, oui, on va vous aider. Mais je tiens à vous avertir, monsieur Schwembaka. Si vous nous appelez pour ce genre de conneries, c'est pas les ovnis ou une soucoupe volante qui va vous poursuivre. C'est nous qui allons vous poursuivre. Est-ce bien entendu, monsieur Schwembaka, ce que vous allez faire? Vous allez vous reposer, hein, et vous allez cesser vos conneries avec la police. C'est bien clair, monsieur? Écoutez, monsieur, moi, je veux pas d'histoire avec la police, mais j'aimerais bien qu'on m'aide. Y a pas d'aide pour ce genre de truc, hein. Les soucoupes et les ovnis, ça, c'est dans les films, hein. Et on n'a pas que ça à faire. Au revoir, monsieur Schwembaka. Monsieur Schwembaka qui a vu les soucoupes. Allez, bonne nuit, monsieur Schwembaka. Qu'est-ce que c'est? Je demande un secours. Ils me disent que j'ai fumé un truc. Ils sont pas bien, moi. Je paye des impôts, moi.